Louise et Mehdi, on est les parents de Joachim qui a 1 an et demi et on habite à Paris dans le 14e. Aujourd'hui on a participé à l'atelier éveil musical avec une super intervenante musicienne qui nous a appris à utiliser tous les instruments, des percussions, des didgeridoo, des djembés, des maracas. Et on a tous pu participer avec Joachim. On a chanté plein de chansons, certaines qu'on connaissait déjà et certaines qu'on a apprises sur place. Nous, on apprécie de pouvoir rencontrer d'autres parents qui viennent avec des enfants de l'âge de Joachim, plus petit ou plus grand, peu importe. On n'a pas toujours l'occasion de le faire à la crèche où on est assez speed le matin, speed le soir, donc c'est très riche. On essaye aussi de l'éveiller musicalement. Louis, ça va être plus autour du dessin, de la peinture. Moi, peut-être un peu plus autour de la musique. C'est très inspirant et ça me donne envie d'apprendre d'autres chansons, du ukulélé, avec d'autres instruments. Donc, oui, c'est extrêmement inspirant. Ce qui nous plaît le plus, c'est que comme c'est des enfants qui sont petits, aujourd'hui, il n'y avait que des enfants de moins de 2 ans, ils sont hyper libres de participer, d'aller explorer autour, de jouer avec les jouets qui sont autour d'eux, ou de revenir pour participer aux activités proposées. Il n'y a pas de règles d'injonction, on se sent hyper libre. Et du coup, ça laisse beaucoup de liberté aux enfants, que ça soit amusant et sympa pour le week-end. Donc ça, c'est ce qui nous a le plus plu. Franchement, c'est super d'avoir un endroit adapté aux enfants, où on peut jouer ensemble, rencontrer d'autres enfants aussi de son âge, et les parents, bien sûr. Donc je le recommande à tous les parents. On apprend des nouveaux trucs, on rencontre des nouvelles personnes. C'est vraiment sympa. Au revoir. Au revoir.